Bonjour, merci d'avoir cliqué sur cette vidéo, je m'appelle Johanna et aujourd'hui je vous propose une séance de pilates pour tout le corps. Après cette session, vous aurez activé tous vos muscles profonds, vous aurez un sentiment d'allongement et de bien-être. Si vous aimez cette vidéo, n'hésitez pas à vous abonner, il y en a d'autres qui viendront. Et n'hésitez pas à laisser vos commentaires, j'ai toujours beaucoup de plaisir à vous lire. A tout de suite sur le tapis. Placez-vous à genoux, de manière à ce qu'il soit aligné sur vos hanches. On va joindre les mains, mettre les coudes au tapis et tout le poids du corps sur les avant-bras. Dans cette position, allongez votre jambe droite au sol. Pointe, elle reste au sol, on plaque le ventre, on pousse les épaules vers l'arrière, on inspire et sur l'expire, on lève la jambe. Au maximum de vos possibilités, sans bouger le dos. Ça ne sert à rien de lever la jambe trop haut si au niveau du dos ça bouge et que vous n'arrivez plus à tenir le ventre. Donc l'important c'est de vraiment contrôler votre mouvement, de sentir que la colonne vertébrale est longue. Vous pouvez regarder vos mains pour que la nuque puisse aussi rester allongée. Et puis surtout, tendez cette jambe au maximum. Et on inspire quand on a la pointe au sol et on expire quand on soulève la jambe derrière. On va faire 15 mouvements. Inspirez et expirez. Encore 3. 1. 2. Gardez les fessiers bien en arrière. 3. On garde la jambe en l'air. On ne bouge plus. Cette jambe, elle va rester maintenue pendant tout le prochain exercice. Décrochez vos mains. Posez les mains au tapis. On inspire, on plaque le ventre. Sur l'expire, on va pousser sur les mains et tendre les bras. Et on repose les coudes. Et on remonte. La jambe ne bouge pas derrière. Maintenez bien la hauteur et le genou tendu. Inspire, les coudes sont en bas. Et dans l'expire, on se soulève. Poussez les fesses derrière. Encore. Et restez, croisez les mains. Petit mouvement vers le haut avec la jambe. Replacez bien votre poids du corps sur les avant-bras. Relâchez les épaules en arrière. Et puis on respire, on tient ce ventre toujours contre soi. Et encore. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Respire, on relâche. On va pousser les fesses vers les talons. Allongez les bras devant. Relâchez la tête sur le tapis. Et respirez tranquillement. On respire. Voilà. Et on va se replacer à nouveau. Mains jointes. Inspire, allonge l'autre jambe au sol. Et expire, soulève. Placez-vous bien. Donc, vérifiez que le ventre est plaqué. La jambe derrière, toujours bien tendue. Les épaules en arrière. Et surtout, ce poids du corps vers les avant-bras pour que les fessiers soient en arrière. Et puis j'imagine que vous avez déjà senti que ça sollicite bien l'arrière des cuisses. Allez, on continue. Respirez bien. Allongez bien cette colonne vertébrale, la nuque aussi. Le dernier, on va garder la jambe en l'air. Ouvrez vos mains, posez-les bien au sol, inspire. Et expire, on se soulève. Et pose les coudes et remonte. La difficulté ici, évidemment, c'est de maintenir la hauteur de jambe. C'est pas tant au niveau des bras. C'est ce ventre qui reste plaqué. Et puis la jambe qui ne bouge pas, qui requiert toute notre attention. Et respirez bien. Vous êtes nombreuses à me poser des questions sur la respiration. Eh bien, en pilates, on expire dans l'effort. Et c'est vraiment important d'essayer d'accompagner chaque mouvement avec la respiration pour un travail vraiment en conscience. Encore deux. Et on va poser les coudes. Gardez la jambe en l'air, tendez-la au maximum, on rejoint les mains, poids du corps bien dans l'avant, dans les avant-bras, élève. Plaquez le ventre, poussez les épaules en arrière,
Et on respire, même si ça chauffe un peu, ça va vite partir, vous verrez. Et c'est excellent pour muscler l'arrière des cuisses et le dos et le ventre. Tout le corps travaille. Allez, on continue. Respirez. Et relâche. Le réconfort après l'effort, on pousse les fesses sur les talons, relâchez la nuque. Allongez vos bras, respirez. Respirez tranquillement. Bien, on va se redresser pour passer sur le dos. On va maintenant passer sur le dos pour travailler la zone abdominale, mais en contrôlant bien les mouvements. Donc vous pouvez poser vos pieds bien à plat sur le sol, dérouler la colonne lentement, voilà, poser la tête, on inspire, on va lever la jambe gauche que vous allez garder à angle droit et on va inspirer, on plaque le ventre, n'oubliez pas, on plaque le ventre toujours en l'amenant vers le haut, on ne pousse jamais les organes vers le bas, inspire, plaque le ventre, du coup le dos se positionne en position neutre, les bras sont détendus le long du corps et sur l'expiration, vous allez lentement lever la jambe droite, l'allonger devant, plier et doucement en redescend, déroule le pied orteil talon. Inspire, replacez-vous bien. Expire, soulève, tend devant, replie et pose. Et on continue, vérifiez que vos épaules sont bien posées à plat sur le sol. Inspirez, la nuque est longue. Alors évidemment, si vous tendez la jambe vers le plafond, vous engagez un peu moins vos abdos. Donc si vous voulez tester un petit peu vos limites, eh bien vous pouvez tendre la jambe en l'amenant plus bas comme je vais faire maintenant. Voilà. Et là évidemment, vos abdos travaillent un peu plus. Mais ce qui est important ici pour moi, c'est l'histoire de contrôler en fait que le ventre pendant tout ce mouvement reste plaqué et que vous arrivez à maintenir la position de votre dos et de vos épaules qui restent ouverts. Voilà, on inspire et on allonge. Encore. On fait encore 5. Plaquez bien le ventre. La nuque est longue. Et on respire tranquillement. Ne faites pas trop vite parce qu'évidemment dans la vitesse, on perd du contrôle et ce serait quand même dommage. Voilà. On va poser ce pied, poser l'autre jambe. On inspire, on allonge les bras, on s'étire. Expirez, vous allez ouvrir vos bras sur le côté en laissant les mains glisser au sol pour bien bien travailler au niveau de l'ouverture des épaules. On replace les bras le long du corps. Et on va changer de jambe. Donc on va lever cette fois la droite qui ne va plus bouger, rester bien à angle droit. Et sur l'expire, lève la gauche, allonge, plie et repose délicatement orteil talon et repousse le sol. Et allonge, replie, pose. Très bien, on continue. Inspire, expire lentement. Inspirez. Et là, vraiment, on est en train de travailler la musculature profonde avec ce ventre qui reste plaqué pendant tout le mouvement. N'oubliez pas, le ventre est bien tenu vers le haut. Relâchez vos épaules en arrière. Et encore. On continue tranquillement. Pensez à vérifier que ce dos reste bien à plat, en position neutre, et que votre cuisse droite n'a pas bougé. Et puis allez, si vous sentez que c'est vraiment trop facile, allez vous challenger en baissant cette jambe. Inspire, et quand on baisse la jambe, on ouvre encore plus les épaules. On ne creuse pas le dos, on le garde vraiment en position neutre grâce à ce ventre qui est plaqué contre soi. Inspire et allonge. Allez, encore deux. Et posez
la jambe droite lentement. On étire les deux bras vers l'arrière. On inspire. Et en expirant, vous amenez le menton vers la poitrine. Vous ouvrez grand vos bras sur le côté en laissant les mains glisser au sol. Et on va se placer sur le côté. Placez-vous bien, la tête repose sur le bras pour ne pas avoir de tension à la nuque. Allongez bien vos jambes légèrement devant pour avoir une meilleure stabilité. Les genoux vont rester tendus pendant tout l'exercice. Et puis maintenant, vous avez le choix, soit vous posez la main au sol et c'est un petit peu plus facile, ou alors vous pouvez vous challenger en mettant la main sur la taille. L'important, c'est de bien garder ce ventre tenu et de sentir qu'on a tout le corps qui s'étire. On inspire, on lève la jambe qui est dessus en l'air et sur l'expiration, ramenez l'autre jambe. On reste 1, 2, 3, 4, 5, descend une jambe, puis l'autre. Et là, on va monter les deux jambes en même temps. On inspire d'abord et sur l'expire, on lève et on reste 1, 2, 3, 4, 5, descend délicatement les deux jambes. Et on continue une jambe, puis l'autre. Maintenez la position, relâchez la tête sur votre bras et une jambe qui descend et l'autre qui rejoint. Lève les deux. Et on continue, respirez bien. Veillez vraiment à sentir que vous pouvez allonger votre corps au maximum avant de soulever les jambes. Et encore. On a tendance à prendre de la force au niveau des épaules, du coup vraiment faites attention à bien relâcher la tête sur votre bras et de sentir que la force vient de votre tenue du corps, de votre zone abdominale. Allez, on plaque ce ventre contre soi et on reste. Et les deux jambes. Et encore, une jambe après l'autre, respirez bien, maintenez la position. Et les genoux se tendent au maximum, on respire, on relâche aussi l'épaule. Et dernier. Les deux jambes. On relâche. Très bien, on va faire des petits cercles, devant, côté, ferme. On va devant, on ouvre et on ferme. On tient le ventre et là à nouveau, on tient bien le genou qui est au sol, les deux jambes sont tenues étendues et on relâche la tête sur le bras, contrôlez le mouvement, presque rien ne bouge que cette jambe. La hauteur n'a pas d'importance, vraiment l'important c'est de sentir que vous tenez votre corps, que vous vous allongez et que vous êtes stable. Voilà, c'est contrôler le mouvement. La respiration, on inspire, on est devant et on expire pour ouvrir. C'est là que ça demande de l'effort. Encore. Dernier. Et on relâche, pliez les genoux pour relâcher un petit peu les cuisses. Et on va passer de l'autre côté. À vous de choisir donc. Main au sol ou à la taille. On relâche bien la tête. Prenez le temps de respirer. Et sur l'expire, on lève une jambe. Puis l'autre. On reste. Photo. Et descend une jambe. Et l'autre. Et les deux au même temps. Et lève la jambe. Rejoins. Reste. 1, 2, 3, 4, 5. Descend. Et les deux au même temps. Et 1. Et 2, et 3, et 4, et 5, descend. Encore. Plaque le ventre, inspire, expire, lève les jambes et restez, maintenez la position, étirez-vous. Et relâche, c'est très bien, on continue. Levez moins haut s'il faut, mais c'est vraiment important de pouvoir tenir la position, de s'allonger, de sentir que le ventre est plaqué. Et lève la jambe, l'autre rejoint, tendu. Et descend une jambe, et l'autre, les deux.
Inspire, plaque le ventre, allonge la colonne, lève les deux jambes et reste. Posez, on continue, on amène la jambe devant, on inspire sur l'expire, on ouvre sur le côté et on referme. Tendez bien la jambe qui est au sol. Relâchez votre tête sur le bras. Ouvrez bien vos épaules. Vos fessiers sont aussi tenus, ça permet de maintenir la position. Voilà, aspirez bien ce ventre. Et encore, inspire. Expire pour ouvrir. Encore deux. Et on va relâcher, plier pour relâcher un peu les cuisses et on va se placer sur le dos. On va allonger les deux jambes au sol. Jambes serrées l'une contre l'autre, parallèles. On inspire, on plaque ce ventre comme toujours, on tient les fessiers. Alors vous allez regarder loin devant vous, on va mettre les bras derrière façon nageur, on va mettre les mains ensemble comme si on allait plonger. Les épaules sont relâchées quand même. On inspire et sur l'expiration, vous allez monter la tête, les bras et les épaules du sol. On regarde les pieds et on repart. Se poser au sol. Inspire, étirez la colonne vertébrale, le menton peut aller vers l'avant. Et sur l'expiration, on se soulève. Et encore, inspire, allongez bien, prenez le temps de vous allonger avant de soulever le haut du corps. Et on redescend. Inspire, expire. Inspire, on plaque le ventre, on contracte un peu les fessiers, le menton va vers l'avant, on s'allonge. Et sur l'expiration, on soulève. Voilà, prenez la force au niveau du ventre. Ce n'est pas la tête qui vous entraîne vers l'avant. Le mouvement part vraiment du ventre. Et on expire pour se soulever. Encore, allongez-vous, ça fait du bien. Et soulève. Pas besoin d'aller trop haut. Puisque ce qu'on veut là, c'est contrôler la musculature profonde et sentir que tout le corps travaille, qu'on s'étire tout en musclant. Encore trois. Allongez-vous, relâchez le menton vers la poitrine et soulève. Et les deux derniers. Encore. Oui, relâchez. Là, vous pouvez relâcher les jambes. Ouvrez les bras sur le côté en vous étirant. Très bien. On va plier les genoux, poser les pieds bien à plat sur le sol. On ouvre les épaules, on continue avec les abdos. Inspire et sur l'expire, on va toucher le talon et talon. Encore. Alors, ne rapprochez pas trop vos talons de vos fesses. Le but est de faire une belle torsion et d'aller chercher ce mouvement pour affiner la taille. Et relâche. Placez-vous, inspire, vous êtes prêts, on repart. Étire la colonne vertébrale, plaque le ventre. Sur l'expire, on se soulève et on va commencer à gauche cette fois. Allez, talons. Et deux, et trois, et quatre. Un peu de punch. Plaquez le ventre. Encore cinq. Ouais, relâche, inspire et on repart. Et un, et deux, encore. Faites un bel effort pour cette torsion, pour vous pencher sur le côté en allongeant la taille. Sentez que vous étirez votre taille et replace. Inspire, dernière fois. Les cinq derniers, un. 2, c'est bien, 3, 4, 5, relâche, tirez les genoux vers la poitrine, voilà, bien contre vous en petite boule, vous pouvez relâcher la tête, même fermer les yeux, puis vous balancer de gauche à droite, comme si vous voulez masser la colonne vertébrale, et puis aller un petit peu vers le bassin pour masser ce bas du dos et le bassin, et on va poser les pieds au sol.
Je vous invite à fermer les yeux, à poser les mains sur votre ventre, relâchez vos épaules. Et puis vous allez inspirer en laissant votre ventre se gonfler. Et sur l'expire, vous laissez l'air sortir par la bouche le plus lentement possible. Et encore, maintenez vos yeux fermés, inspirez, poussez vos mains avec votre ventre. Et on souffle lentement par la bouche. Et encore, inspirez. Et quand vous expirez, sentez que tout votre poids du corps s'enfonce encore plus dans le sol. Dernière fois, faites-vous du bien. Merci beaucoup d'avoir pratiqué le Pilates avec moi. C'est toujours un plaisir de partager ces vidéos avec vous. Et puis, à bientôt pour de nouvelles séquences de Pilates. N'hésitez pas à vous abonner ou à partager ces vidéos avec tous ceux qui en auraient besoin. Et puis, laissez-moi vos commentaires et vos messages. Ça me fait toujours vraiment plaisir. C'est super de savoir que vous aimez les cours et que nous sommes une communauté déjà qui pratiquons ensemble. Merci beaucoup et puis à bientôt.